Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Pnarfon pour un nouvel épisode de Pathway. On arrive dans le désert, donc la troisième partie, hein. C'est parti pour la troisième partie. Hein. Le désert sans fin, vous craignez de perdre la tête dans la chaleur torride du désert, l'air chargé de sable fin rempli vos poumons et vos yeux. Partout où vous regardez, il n'y a que du sable. Il n'est pas étonnant que ce désert ait été nommé Rub Al-Khali, le car vide. Il semble inconcevable que quoi que ce soit puisse survivre et encore moins prospérer dans ce désert hostile. Soudain, du coin de l'œil, vous apercevez une volée d'oiseaux qui tournoie dans le ciel. Peut-être y a-t-il une oasis de ce côté. Quand vous atteignez le site au-dessus duquel tournent les oiseaux, vous faites une découverte effroyable, les débris d'une voiture de patrouille de l'armée allemande. Vous examinez ce véhicule et découvrez rapidement que son essieu avant est cassé. Même les défauts mécaniques les plus simples peuvent avoir des conséquences fatales dans le désert. Vous n'êtes pas surpris de découvrir les cadavres boursouflés et décolorés des deux conducteurs dans une tente voisine. Ces hommes ont dû mourir de déshydratation il y a moins de 3 jours. Vous laissez les malheureux Allemands à leur sort et fouillez leur véhicule à la recherche de quoi que ce soit d'utile. On les enterre même pas, ceux-là. Ah, c'est la belle mentalité. Alors, révèle tout. Du carburant. C'est la vie. C'est la vie. Voilà, sans ce carburant, je pouvais aller nulle part. Et on a de quoi réparer des armures à nouveau. Intéressant. Intéressant. Alors, on voit qu'on a un gars ici, mais j'en ai pas besoin. Moi, j'ai besoin de carburant. Donc, j'ai besoin d'aller jusqu'à ce marchand par le trajet le plus court. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ah ben non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pas assez de carburant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas assez de carburant, mais vu qu'il y a moult embrouilles, il y a moyen de trouver une arme de gasoil. Donc on va passer par le sud. Quelque part dans le désert, votre attention est attirée par une étrange formation de pierres circulaires enfouies dans le désert. En y regardant de plus près, vous découvrez d'étranges objets cachés dans le sable. Ils sont disposés en cercle. Vous n'avez pas la moindre idée de ce que vous avez découvert. Examinez l'objet de plus près. Cet objet étrange est fait dans un matériau ressemblant à l'obsidienne. Sa surface ressemble à la fois à de la pierre fondue et à de la pierre solide. Natalia s'empare avec excitation des objets éparpillés dans le sable. Un étrange bourdonnement parcourt soudain les objets. Soudain, une force invisible s'empare d'eux et les rassemble. La structure qu'ils viennent de former se met à briller. La route de pierre de la taille d'un homme plane devant vous à hauteur de poitrine, reliée au piédestal en dessous par une mystérieuse force invisible. L'intérieur de la roue de pierre se remplit d'une pulsation lumineuse. Inspectez la roue de pierre. Un personnage qui y va, Natalia. T'es trop badass, t'y vas. Lorsque Natalia pose son index sur la source lumineuse, un bourdonnement s'élève. Puis la lumière s'éteint et la roue de pierre s'abat au sol. Quand Natalia se retourne vers vous, elle a une lueur étrange dans le regard. Je me sens en super forme, béni par l'éternité. Visiblement, ça a l'air d'être cool. Cheville gaz, moins 1 en agi, ok. Plus 1 en vita. Ah, c'est très bien ça. Mais ça, c'est très bien, dites donc. C'est très bien ça. On aime beaucoup. On aime beaucoup. Mais vous savez ce qu'on aime encore plus? Le carburant. Ah, ça sent les ombars, ça. Un caravansérail abandonné. L'ancien caravansérail est entouré d'une palmeraie envahie par la végétation. À première vue, on peut dire que personne n'a vécu ici depuis des décennies. L'endroit semble abandonné. Seul le bruissement des feuilles de palmiers desséchées par le vent vient troubler le silence. Fouillez le caravansérail. En parcourant les salles poussiéreuses, vos premières impressions se confirment. Le lieu est désert, vous ne trouvez rien d'intéressant et continuez votre voyage. Bon, bah écoute, on va essayer, hein. Les embrouilles. Les embrouilles. Vous tombez sur un détachement important de soldats allemands qui se reposent dans un temple. Ils ne vous ont pas vu. Oula, ça c'est du Tesla de niveau 2, hein, dans les attaques. Il n'y a pas le choix. Il me faut du carburant, impérativement. C'est un impératif. Après ça dépend combien ils sont. Là j'en ai vu 4.
S'ils sont deux de plus, ça va encore. S'ils sont 8, on va passer une sale journée. Paradoxalement, je trouve les combats jusqu'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça, ils sont 6. Je trouve les combats presque plus simples qu'au début. Parce qu'au début, en fait, même s'ils sont moins forts, les mecs, ils font donc un peu moins de dégâts, mais ils sont beaucoup plus nombreux. Du coup, il est où lui? Ah, il est là. Ah, faut qu'on aille lui courir après. Hein. Y a pas à discuter, hein. On lui court après. Hein. Jackson, Jackson, Jackson. Hyper vitesse. Ah, il y a du monde ici. Bonjour. Ah, ça vaut presque le coup de faire ça. Allez. C'était beau. Si tu veux mon avis, c'était beau. Pas discuter pendant 1000 ans, il crève. Voilà, merci. Rien de moi. On lui a tout vidé dans la gueule. Parce que bon, lui, si c'est pour donner à Tesla Man un ordre supplémentaire d'attaque, je vais mal le vivre. Ah, mais il est là, Tesla Man. Bah oui. Mais c'est qui ça? Ah, mais non, ça c'était un choc. C'est pas cool non plus un choc, hein. On va pas se mentir. Hein. C'est pas... Comment ça? Oh là, il a tout le groupe là? T'as vraiment tout le crew? Quoi? Pourquoi moins 5? Hey, t'as mis le saignement, le clébard? Je vais devoir te déplacer, je vais prendre la balle. Bah ouais, je suis désolé. Yes? Bah je suis bien désolé, ouais. Comment ça? Tout ça, ça a beaucoup trop de PV. Hein. Voilà, on s'est pris, on s'est pris, on s'est, j'ai fait une connerie. On est en tenaille là. On est pris en tenaille. Et ben, ouais, bon, on va finir le chien quand même. Hein. Parce que ça fait des dégâts les chiens. Yes, bah Doc, ramène-toi par ici. On va avoir rapidement besoin que tu restes en vie. Et toi, tu vas te mettre juste là. Parce que je sens qu'il y a quelqu'un qui a pas tardé à tomber. Salut, Georgette. Désolé. Oh. Désolé, Georgette. Ah ouais, désolé. Désolé. Ok, donc là c'est parti. Assaut, close combat, c'est parti, c'est parti. C'est pas. Comment il le vit? Il le vit très très bien. C'est... j'ai presque envie de dire, il s'en bat la rondelle. Oh, c'est beau ça, monsieur. Je crois que je peux pas la soigner. Ah si, ça y est, je peux. Ah, yes. Yes, yes, je peux. Yes! Georgette. Ouais, non, mais Georgette, en fait, soigne-toi. Mais attends, je viens de te soigner pour rien. T'étais full life? Mais non. Miss. Allez. Tout à côté, hein. C'est pas grave. S'il abat pas un type au couteau, pauvre con, t'aurais dû tirer sur un mec au couteau. Ah, par contre, il a one shot, quoi. Elle a vraiment 0 PV, quoi. C'est vraiment. Ah oui, parce que je lui ai mis les boîtes. Je lui ai mis les boîtes d'éther, c'est vrai. Hop là! Full life, allez, oh, je prends les deux seringues. Soigneur de niveau 2. Vous êtes un healer de niveau 2. Bonjour. Bonjour. Connaissez-vous la solitude? Vous avez l'air de maîtriser le sujet, monsieur. 67, ce mec insane. Par contre, j'aimerais bien arrêter de faire des critiques à la Darkest Dungeon, c'est-à-dire des critiques sur des mecs qui sont condamnés à mourir. Ça, c'est quand même assez frustrant.
Ça, c'est un truc de Darkest Dungeon, c'est quand tu leur mets le minimum dégâts tout le temps, et puis au moment où le mec il lui reste un PV, c'est sûr qu'il va crever, ah, le critique. Tu lui rends ton critique. C'est bon quoi. C'est peut-être pas le moment de lui mettre un crit. On a pris cher. On a pris cher sur ce combat-là, surtout Georgette. Tac, révèle tout. On prend tout. Terminé. Ils ont tous pris de l'XP, sauf Natalia qui peut plus prendre d'XP évidemment. C'est une armure lourde, mais bon. Hop là, excuse-moi. C'est une armure lourde, mais personne ne peut porter d'armure lourde, donc on le déplace dans le butin. Ça soigne de 35. Tu l'utilises sur le baron. Voilà. Ça, tu l'utilises sur le baron. Ça, tu l'utilises sur Jackson qui passe sa vie au corps à corps, donc il faut quand même y penser un petit peu. Toi, pour 2 points de vie, on va pas chipoter. Prends-toi ça, ça ira mieux. Natalia n'a plus de soins avec elle. On une seringue à 35. Ouais, les soins, ça a fondu, hein. Ça a bien fondu. Ben, c'est parti pour les embrouilles suivantes, hein. En attendant, pas de gasoil, hein. Une vieille citerne, vous arrivez dans une oasis déserte à demi enfouie dans le sable du désert. Après une inspection rapide, vous découvrez que le puits asséché conduit dans des galeries souterraines. Vous commencez à descendre. Vous arrivez bientôt à une jonction importante où convergent des tunnels humides. Humides, hein. Un bruit soudain vous fait sursauter et vous vous retournez. Un groupe de soldats armes pointées, c'est un piège. Bien, espérons que c'est un piège avec du gasoil, bien sûr, avec du bon pétrole. Même 2 pétroles, hein, je suis pas chiant. Alors les deux, ah, 2 Tesla direct, hein, sous le nez là. Alors paf, paf, paf et paf. Alors c'est parti. Alors, t'as même pas besoin de bouger. Tu mets un coup de couteau là-dedans, merci. Oula, où t'as eu mal? Georgette, tu tires là-dedans, c'est bon. Merci. Super. T'es superbe. Recharge. Le seigneur de tous les nazis. C'est parti. Il est pas mort. C'est bien dommage pour toi. Je vais te prendre des balles dans la bouche pour la peine. Elle est 13 combien? 48, hein. Ouais, 2 balles. Ça dégage. Mets-toi sous le nez du chien. Ah, ils lui ont fait les yeux rouges, le chien. Ouais, vas-y, bon courage. Bon courage, bonne toutou, hein. Ah, saignement, c'est pas cool. Ouais. Yes. Non. De préférence, toi, tu me l'empoignes, le chien. Non, mais non. Non, sûrement pas toi, en fait. Non, faux. Faux. Toi, ouais, c'est ça. Toi, c'est comme ça. Georgette, tu viens à côté et tu fais la même. Ok, Natalia, non. Oui, toi, oui. Vas-y. Voilà. Voilà, tu recharges. Et bonne journée. Allez. Attends, le bon toutou. C'était la bande toutou. Merci le bande toutou. On recharge tout. Et bonne journée. On sort quand même des trucs toujours à 300 dégâts quand même. Hein. Quand même très sale. Hein. On sort du dégât. Allez, du pétrole. Du pétrole, on y croit à mort. Il me faut une larme de pétrole pour atteindre le marchand, sinon on est mort. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, non, mais ça c'est de la merde, ok. Eh ben, de la merde. C'était bien. Je vais mourir très riche. C'est ça qui est intéressant en fait. Ouais, vas-y, on va passer par là. Allez, du pétrole. Pas comme ça, quelque part dans le désert. Hein? Vous faites une courte pause lorsqu'un coup de feu soudain brise le silence, des geysers de sable explosent à vos pieds. Vous vous abritez immédiatement et fouillez le paysage rocheux du regard, mais vous ne voyez pas le tireur. Vous vous précipitez pour fouiller les environs, mais votre recherche est vaine. Vous poursuivez votre voyage, mais le mystérieux attaquant ne se manifeste plus normalement.
manifeste plus, ne se manifeste plus. Non, ce n'est pas un gilet jaune. Calmez-vous. Mais c'est bon, on a gagné l'expert à rien faire. C'est beau ça. Ça, c'est quand même la belle mentalité. Quelque part dans le désert, devant vous s'étend un paysage lunaire étrange, un lac de sel. Vous avancez à pas précautionneux sur les cristaux de sel, mais le sol craque sous vos semelles. Peine perdue, vous allez devoir contourner le lac. Moins un de carburant, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ah, si je peux atteindre le marchand. Ah, oh, je peux atteindre le marchand, c'est beau. Vous voyez un grand nuage de poussière qui progresse vers vous. Surpris, vous vous arrêtez. Vous comprenez très vite qu'il s'agit d'un grand convoi de camions qui avance vers vous. Ce sont sans doute les Allemands. Vous vous mettez rapidement à couvert dans une dépression proche. Heureusement, les dunes vont vous cacher à la vue des soldats. Le bruit des moteurs se fait plus fort. Après ce qui semble une éternité, le grondement du convoi s'éteint dans le lointain et vous poussez un soupir de soulagement. Les Allemands ne vous ont pas repéré. Tu apprends vite. T'as passé un niveau ? Oui. Dextérité pour plus de précision. Hein. Toujours plus. Hein. Plus de vitalité, de volonté. C'est quoi la volonté ? Terminons le nombre de points de bravoure. Les points de bravoure servent à exécuter des actions spéciales. Plus de vitalité. Voilà. 10 PV de plus, c'est pas dégueu. C'est un peu les 10 PV qui te séparent de la vie et de la mort. Donc, jamais dégueu. Vous atteignez un point d'eau entouré, se reposer. C'est une oasis. Voilà. Santé actuelle, protection restaurée, et les gens sont réanimés. Pour ce... Comment ça, plus d'essence? Si, c'est vrai, il en reste un peu. Soyez pas médisants, il en reste un peu. Arrêtez ça. Arrêtez de me mettre une pression folle. Dans l'Oasis, vous rencontrez un marchand très pressé de vous vendre quelque chose. Ouais, échangeons. Ouais, c'est avec grand plaisir. Quoi ? Tu portes du 19 ? 13 ? Tout ça, c'est que du léger. Hein. Non, ça, c'est pas du léger. Ça, c'est du moyen. Je crois que t'as du moyen à 31. 29, c'est nul. On prend tout, hein. On prend tout. Comme qui dirait l'autre. Et on te vend tout. Voilà. Et on sort, on part d'ici. Soit je vais m'embrouiller pour récupérer un compagnon, ce que j'ai pas du tout envie de faire. Soit je repasse par l'Oasis, en mode Osef. Voilà. Poursuivre mon voyage. Voilà. En mode Osef, mais jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout de la vie. Hein. L'Osef est complète. Un sable fraîchement remué et les traces de pas autour de l'entrée mènent à une même conclusion. Les citernes à eau de ce village abandonné ont reçu des visiteurs. Vous cédez à la curiosité et descendez prudemment dans les ruines. Vous apercevez bientôt une escouade de soldats à l'œuvre sur les murs à demi effondrés. Ils ne vous ont pas encore repéré. Effectivement, avec deux blasts de niveau 2, je poursuis mon voyage. Allez, salut. Parce qu'il me reste encore une map après celle-là. Hein. Et on va garder notre carburant. On a 32 munitions, on n'est pas trop mal. Hein. Cargas et Rabbit. Vous regardez autour de vous déçu. Ces fondations effondrées, c'est vraiment tout ce qu'il reste de Cargas et Rabbit. Où sont les fontaines, les jardins d'agrément et les somptueux palais dont parle le peuple bédouin pendant les longues nuits où la lune frôle l'horizon des cieux au-dessus du vaste désert? Cargas et Rabbit n'est-elle rien de plus qu'un rêve presque oublié? Vous êtes sur le point de quitter les sombres ruines de la ville quand une étrange formation rocheuse attire votre attention. Étrange. J'aurais plutôt dit les camions, mais bon. En approchant, vous apercevez trois camions militaires allemands garés près d'une entrée de tunnel à demi enfouie. Il semble que le capitaine Rocker, et ses hommes soient arrivés à Cargas et Rabbit. Non mais on n'est pas obligé de descendre, on peut juste se casser en fait. On s'en fout. Vos armes à portée de main, vous dépassez le camion abandonné et entrez dans un antique réseau de canalisation d'eau souterraine. Les citernes de Cargas et Rabbit forment un réseau tentaculaire. Vous explorez les passages jusqu'à ce que le son des ordres aboyés vous avertisse de la présence des soldats allemands. On va peut-être pouvoir faire un trick ou pas ? Est-ce qu'on peut se faire un trick? C'est ça, moi, c'est ça qui m'intéresse.
Caché derrière un muret, vous faites rapidement le point sur la situation. Un étrange bassin rempli à ras-bord d'un liquide noir chatoyant domine le centre de la gigantesque salle. Du pétrole ! Du pétrole ! Plusieurs tuyaux de plomb relient le bassin à un objet en forme de trône situé à son extrémité. De votre position, vous pouvez voir ce qui semble être une statue étrangement difforme assise sur ce trône de basalte. Mais à cette distance, vous êtes incapable d'en déchiffrer les détails. De toute façon, j'ai personne qui parle les langues anciennes. Plusieurs soldats sont à l'œuvre sur les tuyaux de plomb, tandis que d'autres ont commencé à nettoyer le trône de l'épaisse couche de poussière qui s'y est déposée au cours des millénaires. Un officier se baisse pour lire l'étrange inscription cunéiforme qui orne l'estrade. Voyons ce que nous avons ici. Source de vie, ressuscitée à la vie nouvelle, montée au ciel. Le reste est illisible. Dans un geste théâtral, l'officier tourne les talons pour faire face à ses compagnons. Ça y est, messieurs, nous avons localisé la fontaine de vie. Artung, prenez vos positions, je suis sur le point d'entrer dans l'histoire. Sur ces mots, le capitaine Rocker descend lentement les marches de pierre à pas précautionneux jusqu'à ce que l'eau atteigne son menton. Quelque chose bouge dans l'eau. Rocker disparaît soudain sous sa surface en poussant un cri rapidement étouffé. Quelques secondes plus tard, les tuyaux de plomb se mettent à gargouiller bruyamment lorsque le bassin est vidé de son liquide. L'agitation qui anime les soldats s'arrête brusquement quand la statue de pierre se met à bouger et se lève de son trône avec ses mouvements raides et saccadés. Grosse embrouille ? Mais genre grosse embrouille ? Ah, pour faire fonctionner. Ah ouais, alors je vois bien le délire. Ça, c'est un délire cthulien. Ouais, pour avoir de l'eau de vie, en fait, il faut donner de la vie. Il faut tuer des gens. Créature étrange. Je vis. La créature regarde autour d'elle confuse. Père, votre voix se calme seule. Oh. Pas assez d'énergie. La créature se lève avant de se figer soudainement comme paralysée. Quelques secondes plus tard, elle s'effondre en poussière. Comme dans un cauchemar, vous fixez le trône vide, essayant de comprendre ce qui vient de se passer. Soudain, un grand cri retentit. Vous avez été découvert. Yes, bah fallait donner plus de vie. Ah, dans un monde où il y avait des esclaves, c'est sûr que t'avais un peu de matière première. Hein. Voilà, c'est sûr, un seul officier allemand... C'est pas très juteux, mon vieux. C'est une vie, quoi. C'est pas assez, quoi. Surtout pour redémarrer un vieux truc, quoi. Ok. Oh, la marée de type, quoi. Mais il y a même un officier. Mais t'arrases le jeu, quoi. Le chien, il est où? Il est pas à côté. Mais il doit y en avoir un autre, hein, là, à mon avis. Le médecin, il est où? Tout au fond. Donc, va falloir rush ce con. On va utiliser les deux snipers en complément. Combien de PV t'as déjà toi? Ah. Dis-moi. 57. C'est un peu chaud. Il y a l'autre, on verra quand on y sera. Je crois que tu vois quelqu'un. Et ce quelqu'un est un... Tireur d'élite. S'il n'y a qu'un seul chien déjà, c'est pas mal. Donc il lui reste 17 PV, fils de... Ah mais il y a un médecin ici. Ça y est, je suis déjà gonflé. Thank you.
On va douiller. C'est parti. Ah mais il est pas mort l'autre con là. Mais non, il lui reste un PV, je suis deg. C'est ça, il lui reste un PV. Vas-y. 5. 5. 5 PV. Fils de... Mais t'es sérieux? Mais t'es sérieux? Autant? Mais ça va les tours de piste? Tranquille. Ah les mecs ils courent trop loin quoi. Ah non mais la lourdeur. La lourdeur. Et le médecin il est pas mort. Et le médecin n'est pas mort. Je suis vénère de ouf. Ok. Je me suis jeté dans la gueule du loup. Bien fait pour ma gueule, tu me diras. Mais c'est chiant quand même. Sur qui tu peux tirer. Yes, il a 50 PV. Bah ouais, c'est cool. Tu bouges, meuf. Yes. Il est pas mort. Je suis deg. Je suis trop deg. Bah, il faut que tu bouges parce que sinon c'est l'autre qui va bouffer. C'est ça. T'étais obligé de bouffer, je suis désolé, vieux. Ouais, bah, le chien, ceci dit. Ouais, ouais, ceci dit, bah, le chien. 51 PV. On va se finir salopard. Hein. Surtout que t'es pas frais, toi. Il faut que j'en jette reste en vie parce que du coup c'est la seule à avoir des soins sur elle. Ouais c'est ça, il faut qu'elle reste en vie. Il faut qu'elle reste en vie. Ce qui est pas garanti. J'ai plus personne pour la relever si je la couche. Très bien joué monsieur le baron. Très joli. Dégueulasse. Ok. Tu peux aller jusqu'où, Georgette? Pas très très loin. Pas très très loin. Et j'ai besoin impérativement que tu restes en vie. Mais genre impérativement. Viens ici. Et soigne-toi. Bon, après là, il y a tellement un strike à faire. Mais ça, c'est un strike que je vais payer tellement cher. Vas-y. Mais bon, si je prends pas ce strike, ça serait un peu dommage. Voilà. Ça aurait été un peu dommage. Et j'ai le double tir. On va se dissimuler quand même là un petit peu de l'autre sniper en un petit peu quoi. Un petit peu quoi, hein. C'est pas lourd hein. Yes. Si je te mets là, tu peux l'atteindre. Les healers sont pas ma priorité. 51 PV. Un couteau à 34-44, c'est insuffisant. Il reste 13 PV. Il y a une chance qu'il meure. Hein. Il y a une chance qu'il en meure. Hein. Il est pas mort. Bah oui, ma vie est dégueulasse. Je suis complètement d'accord. Un PV. Doc, tu déboîtes comme d'hab. 45. Vous avez dit 45, monsieur? 45 une fois, hein. 45 deux fois. 45 autant de fois que vous voulez, hein. Visiblement. Tout le monde s'en fout, hein. Yes, bah 44, c'est moins. C'est pas mieux, c'est moins. Bon, on va buter un doc. Il va tomber. S'il va tomber tout seul. Ah bon, on va économiser une balle, hein. Un doc, on va économiser une balle. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, salut. Georgette, il faut que tu te déplaces, faut que tu commences à te mouvoir. Tu peux tirer. Ah, si, tu peux tirer ce con. Ouais, vas-y, bah. Allez, c'est cadeau. De toute façon, il peut pas régénérer son armure, donc moi, ça me va, c'est cadeau.
ils ont tellement plus de PV. Bah oui, tu vas tomber. Bien sûr, tu vas tomber le baron. Évidemment. Le problème, c'est que j'ai rien comme temps pour aller soigner le baron. J'ai rien. Au secours. Il faut que j'arrive à... Faut vraiment que j'arrive au plus court, là. C'est pas possible. Ah oui. C'est pas possible. J'ai fait de la merde. C'est pas grave. On va gaspiller des balles. Les chargeurs ne se rechargent plus tout seuls. Américain, là. Mais attends, Doc, là, il va mourir. Le baron, il va mourir maintenant. Genre, c'est le moment où il meurt. Ma vie est dégueulasse. Oh, ça abuse, t'as rien comme temps pour le sauver, quoi. En plus, dans l'ordre de jeu, c'est pas le premier à jouer, le baron. Ah, je suis bien deg. Il est où ce con, là? Touche le fumier, quoi. Ah, 69 PV en plus, le sac. Mais le sac. Allez, tu meurs. Fais pas chier, tu crèves. Yes, bah j'ai perdu le baron. C'était cool. J'ai pris tellement cher. J'ai pris tellement cher. Faut dire que cette ruée suicidaire en plein centre de d'escouade allemande... Café froid. Deux secondes, café froid. Ceci dit, on a un compagnon, je crois, recrutable sur la map. Ah, on en est loin. On est tellement loin pour aller chercher. C'est mort. Faudra aller chercher le suivant sur la prochaine map. Sinon, je peux pas trop me permettre de faire demi-tour. Révèle tous les objets. Un très beau fusil. Le sol de la mystérieuse salle du trône est jonché des corps des soldats tués et étourdis. Vous jetez un regard dans la pièce, quand soudain un bruit sort de la conduite de plomb. Quelques secondes plus tard, le liquide mystérieux remplit à nouveau le bassin. Ok, nouvelle aventure déverrouillée, aventure 5. Un frisson remonte le long de votre échine pendant que vous étudiez le bassin rarement. Avez-vous ressenti une telle envie de prendre un bain frais? Gritting your teeth, you turn your back on this cursed place forever to set out on your long journey to the coast. Eh ben écoute, j'ai perdu le baron vraiment juste à la fin, quoi. Le butin, ouais, il est vide, hein. Heureusement, j'ai réussi à le vider un peu. C'est cool. Putain, ça en fait du monde de buter, hein. Retour au menu. Voilà, je vais pas lancer la nouvelle aventure. Hein. Je vous remercie. Hein. Tout ça, on verra ça la prochaine fois. Moi, pendant ce temps-là, je vais ajuster le matériel de Mega. Voilà, en off, tranquillement. Je vous remercie. C'était Knarfanxur, comme d'habitude, gaming. Pour les rêves dans le désert, c'est ça?
C'était, ouais, c'est ça, hein, c'était les rêves dans le désert, je crois. Rêves dans les sables du désert, hein, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao.